na kutani na Yesu Oninga malamu apesinga kopema Tango na kutani na ye Oninga malamu apesinga lobikoe Shalom bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui permet encore, bien-aimés, que nous puissions encore passer en ce moment pour continuer notre enseignement sur les pourquoi de l'existence de la mort. Vous voyez, donc on avait présenté la première partie de l'enseignement, le pourquoi de l'existence de la mort en novembre 2023. Voilà que nous sommes maintenant en janvier. Le Seigneur a permis que nous puissions, en tout cas, nous entretenir encore sur ce sujet. Et comme je vous avais informé qu'on aura plusieurs épisodes. Donc voilà, nous sommes encore de retour pour continuer cet enseignement par la grâce du Seigneur. Nous allons prier afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse être le guide de toutes choses. Prions bien-aimés. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu des lois. À chaque fois que tu permets, Seigneur Dieu des lois, que nous puissions nous tenir en ces liens pour communiquer, Seigneur, ton salut. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Permets que ça soit un moment de l'édification, un moment, Seigneur, de la consolation, Seigneur Dieu des lois, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton peuple puisse comprendre ta grandeur, sois exalté en toutes les choses. Garde-nous, Seigneur Dieu des lois. Guide-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà. Donc, nous sommes là sur la deuxième partie du thème, le pourquoi de l'existence de la mort. Et comme vous avez compris, mes bien-aimés frères et sœurs, que cet enseignement a pour objectif, bien-aimés, à consoler ceux qui passent des moments difficiles. Oui, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui passent des moments difficiles, il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère, frères et sœurs, tantes, oncles, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, vous voyez, bien-aimés. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment ici qui passent des moments de pleurs, qui passent des moments vraiment de tristesse, bien-aimés. Et le Seigneur a permis que je puisse apporter cet enseignement, frère, parce que nous aussi, nous autres aussi, nous avons connu aussi des moments difficiles. On a connu aussi des moments de pleurs où on a aussi perdu. Et on a aussi perdu nos parents. On a aussi perdu quelqu'un de très proche, bien-aimé, vous voyez. Donc, le Seigneur nous a consolés de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous venons aussi pour consoler les autres. C'est pourquoi Paul pouvait dire ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens, bien-aimé. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Il est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. La Bible continue en disant quoi? Le verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Il nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Je répète le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 1. Et on dit quoi? Voilà, béni soit Dieu, le Père de miséricorde. On dit le Dieu de toute consolation.
qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc on dit que Dieu nous a consolés, nous sommes devenus l'objet de la part de Dieu. Nous sommes maintenant, par la consolation que Dieu nous a consolés, nous aussi nous sommes devenus maintenant l'objet de la part de Dieu afin de consoler ceux qui se trouvent aussi dans les afflictions, bien-aimés. Voyez? Voilà. Donc, là, bien-aimés, on nous montre que pour consoler, il faut d'abord être consolé. Mais pour consoler les affligés, voyez, les affligés, c'est-à-dire les gens qui se trouvent dans les afflictions. Voilà. Et l'affliction, quelqu'un qui est dans l'affliction, hein, ou un affligé, c'est une personne, en fait, qui a une profonde tristesse. Une personne profondément attristée par un malheur. Donc, le malheur l'accable, le malheur le frappe, bien-aimé. Du coup, la personne est tellement triste. Et la personne est vraiment accablée, la personne est anéantie par le malheur. Et on l'appelle un affligé. Donc, et la Bible dit que ces gens-là, il faut les consoler, bien-aimé. Oui, ces gens-là, il faut les consoler. Mais pour consoler les affligés, pour consoler ceux qui se trouvent dans les afflictions, il faut d'abord être consolé, bien-aimé. Donc, il faut que Dieu puisse te consoler, afin que toi aussi, tu puisses maintenant aller consoler les affligés. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimé? D'abord, il faut comprendre d'abord, la première affliction, ou si je peux dire d'abord les affligés. Je vous ai dit un affligé bien-aimé, c'est une personne qui est profondément attristée par un malheur. Donc par là, vous comprenez qu'un affligé, c'est qui? Un affligé, c'est d'abord un pécheur. Oui, c'est un homme ici d'Adam le premier. C'est un homme qui n'a pas encore obtenu le pardon de ses péchés. C'est un affligé. Et cette personne-là est accablée par le malheur. Même s'il n'est pas attristé, mais il est accablé par le malheur. Parce que si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, vraiment, tu es un homme malheureux, mais bien-aimé. Donc, c'est d'abord ça. Mais maintenant, ces gens-là, il faut leur apporter la consolation. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire maintenant, dans Matthieu chapitre 5, le verset 4, qui est heureux les affligés, car ils seront consolé. Ah, donc la consolation, c'est pour les affligés. Donc là, l'apôtre Paul lui dit que vraiment, nous aussi, nous, autrefois aussi, nous, Paul, il a dit, moi, Paul aussi, autrefois, j'étais un affligé. Vraiment, mais Dieu m'a consolé. Donc, étant donné que Dieu m'avait consolé lorsque je me trouvais dans l'affliction, je suis moi aussi, à mon tour aussi, je suis maintenant devenu aussi l'objet de la part de Dieu pour consoler ceux qui se trouvent dans les afflictions. Donc, c'est-à-dire que si tu reconnais qu'autrefois tu étais pécheur et que Jésus-Christ t'a pardonné, bien-aimé, donc tu ne dois jamais oublier l'évangélisation aux âmes perdues. Et tu ne dois jamais oublier l'évangélisation aux âmes perdues. Toi, Dieu t'a sauvé, Jésus-Christ t'a sauvé. Mais tu es toujours là, tu es toujours là. Donc tu n'évangélises même pas, ça ne te dit rien. La doctrine de la prédestination t'a rendu paresseux. Oui, la doctrine de la prédestination t'a rendu paresseux. Oh, de toute façon, ceux qui seront sauvés, ils seront sauvés. Non, l'évangélisation est biblique. Philippe, après avoir trouvé Jésus, il est parti le dire aussi à Nathanaël. Hein? L'évangélisation est biblique. Donc, nous devons évangéliser. Nous ne devons pas toujours rester là en train de faire des débats. Hein? Des débats entre nous, bien que les débats soient bibliques. Mais on doit pas, les âmes ne seront pas sauvées quand on reste entre nous en train de faire des débats. Non, bien-aimés. Donc, nous devons sortir. Si réellement tu es consolé de la part de Dieu, alors Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, que tu es maintenant aussi l'objet de la part de Dieu. Pour consoler les autres affligés.
Donc, j'ai dit que les affligés, ce sont encore des pécheurs. Ils sont accablés, bien-aimés, par le malheur. Par le malheur qui est le péché. Et s'ils n'écoutent pas la prédication de la grâce, la prédication de la croix, la prédication du pardon de péché qui accorde le salut, alors, bien-aimés, ils finiront en enfer. Donc, j'aimerais en tout cas vous interpeller aussi sur l'évangélisation, bien-aimés. Nous devons évangéliser, nous ne devons pas seulement rester dans nos quatre murs là, en train de discuter entre nous. Non, 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 c'est pas ça, bien-aimés, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Donc, on reste toujours là, entre nous, toujours. Non, bien-aimés, il faut aller aussi vers les affligés, leur apporter la consolation. Mais d'abord, il faut que toi-même, tu sois consolé. Donc, vous avez compris, bien-aimés, que d'abord, les affligés, ce sont les gens qui sont accablés, qui sont frappés par un malheur. Et ils peuvent être tristes ou non, mais ils sont quand même accablés par le malheur. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 4, que heureux les affligés, car ils seront consolés. Et la consolation que l'affligé en a besoin, c'est la prédication de la croix, la prédication de la grâce. Mais il ne suffit pas de dire la prédication de la grâce donc, comme d'une manière religieuse. Oh, Jésus m'a sauvé d'une manière religieuse. Mais tu ne comprends pas et tu ne sais pas expliquer comment est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé. Vous voyez? Tu dis que Jésus-Christ t'a sauvé, mais tu es toujours là. Donc, en train toujours de demander des choses que tu as déjà eues. Tu es là, en train de demander, tu demandes les pardons du péché. Tu demandes les pardons du péché. Tu demandes le sang, le sang, le sang. Mais Jésus-Christ t'a accordé le pardon du péché. Jésus-Christ t'a accordé son sang. Tu as tout ça, et le pardon du péché, et le sang, tu as ça en toi. Mais tu es toujours là. Donc, à demander, tu demandes pardon. Tu demandes le pardon du péché. Donc, tu demandes le pardon du péché. Tu demandes le sang sur toi. Parce que le sang vient confirmer le pardon du péché. Hébreux 9, le verset 22, on nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc, tu ne peux pas dire que tu as le sang, mais que tu n'as pas le pardon du péché. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as le sang, mais tu n'as pas le pardon du péché. Si tu as le sang de Jésus, ça dit tu as aussi le pardon du péché. Mais pourquoi demander des choses que tu as déjà? Donc, ça veut dire, ça c'est un signe de l'incrédulité. Soit c'était une petite, soit c'était une ignorance de ta part, soit c'est un signe de l'incrédulité. Parce que tu ne peux pas demander ce que Dieu t'a déjà donné. Ce que Dieu t'a déjà donné. Donc, c'est comme si tu demandes à Dieu, « Dieu, donne-moi une Bible. » Dieu te donne une Bible. C'est ça. Maintenant, tu continues. Tu as déjà la Bible, mais tu continues encore à demander, « Dieu, donne-moi la Bible. Dieu, donne-moi la Bible. » Mais même Dieu va dire, « Mais est-ce que c'est petit ici? Il comprend des choses ou c'est comment ?» Le Seigneur t'a accordé le pardon du péché. Le Seigneur t'a accordé son sang. Mais tu es toujours là à demander ce que tu as déjà. Donc, tu comprends que tu n'es pas encore consolé, oui. Tu n'es pas encore consolé. Donc, ceux qui sont consolés peuvent aller consoler les affligés. Et pour aller consoler les affligés, tu dois avoir l'assurance du salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que réellement tu as le salut? Parce que je vais t'expliquer. Luc chapitre 1, le verset combien? Le verset 77. Le verset 77. Voilà. En français belge. Luc chapitre 1, le verset 77 ou 77. Là, la Bible dit que Dieu nous donne la connaissance du salut par le pardon du péché. Donc, si tu ne sais pas que tes péchés sont déjà pardonnés, c'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance du salut. C'est-à-dire que tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut si tu ne sais pas que tes péchés sont déjà pardonnés. Pardonner. Tu n'as pas le salut ni la connaissance du salut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Luc, c'est la Bible qui l'a dit dans Luc chapitre 1, le verset 77. Vous voyez? Donc la Bible est claire. La connaissance du péché, c'est par le pardon du péché.
Voilà, parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés, frère, tu es en conflit avec Dieu. Et tu es en conflit avec Dieu, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et la Bible dit que les justes hériteront la vie éternelle. Mais si toi, tu n'es pas juste, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Et injuste, attention, ne pense pas que tu es juste parce que tu pries. Parce qu'il y en a, ils sont dans la religion, mais ils ne se rendent pas compte. Ils prient pour le pardon du péché. Ils gênent pour le pardon du péché. Et l'œuvre de la croix, c'était une farce. Ah, souvent, vous parlez de l'œuvre de la croix, mais d'une manière religieuse. Vous parlez de l'œuvre de la croix d'une manière religieuse. Vraiment, il faut comprendre, vraiment, il faut arrêter le théâtre. Vraiment, il faut comprendre la vérité biblique à ce sujet. Que dit la Bible au sujet du pardon du péché? C'est très important, bien-aimé. Vous voyez? C'est très important à comprendre cela. Très important. Donc, des fois, tu es dans la religion, mais tu ne te rends pas compte. Tu gênes pour être pardonné de la part de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, gêner pour le pardon du péché, c'est une insulte face à l'œuvre de la croix de Jésus. Voilà. Donc, parce que tu as été mal enseigné. Toi, tu penses que tu vas aller au ciel par tes efforts. Hein? Ça, c'est un religieux. Un religieux, il pense qu'il va aller au ciel parce qu'il prie autant de fois par jour. Parce qu'il gêne autant de fois par jour. Parce qu'il fait des aumônes. Il paye ceci. Donc, la Bible dit, Galates chapitre 2, le verset 16, que nul ne sera justifié sur base de la loi. Et nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Personne, mes bien-aimés. Donc, un religieux, il pense qu'il va aller au ciel par ses efforts. Mais non, ce n'est pas ça. On va aller au ciel par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas... Ça ne doit pas rester un slogan. Non. La grâce de Dieu s'est manifestée par le pardon du péché. Et par le pardon. Est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? Oui ou non? Et la grâce de Dieu n'est pas un slogan. La prédication de la croix n'était pas une farce. Non. La prédication de la croix n'est pas aussi un slogan, mes bien-aimés. Voyez? La prédication de la croix ne doit pas être un slogan. Mais nous devons les comprendre d'abord. Nous devons avoir cette connaissance-là et nous devons aussi les vivre. C'est ça. Et nous devons aussi les vivre. Parce qu'on peut prêcher beaucoup de choses, mais si l'essentiel d'abord n'est pas clair, le sujet, si le pardon du péché n'est pas clair, vraiment, vous êtes en dehors de Jésus-Christ. Vous êtes en dehors. Et donc, d'abord, ça doit être clair. Jésus-Christ t'a pardonné, oui ou non? Si tu as pardonné, alors ben, tu es en communion avec lui. Mais si tu n'as pas été pardonné, même si tu as l'apparence religieuse, hein? Même si tu as l'apparence religieuse, mais tu es pécheur. Même si tu t'habilles bien, tu es encore pécheur, mes bien-aimés. Tu es encore pécheur. Donc, à chaque fois que nous passons ici, bien-aimés, ce n'est pas pour faire un spectacle. Non. Nous ne passons pas ici pour faire un spectacle. Mais nous passons ici, bien-aimés, pour vous communiquer la connaissance du salut. Et tu dois voir la connaissance du salut. Et le salut, ce n'est pas un slogan. Le salut s'obtient par le pardon du péché. Et Christ t'a pardonné, non pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Non. Quand Dieu t'appelle juste, quand Dieu t'appelle saint, ce n'est pas parce que d'abord tu fais des bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais de tes efforts. Non. Ce n'est pas ça. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit que alors que vous étiez encore pécheurs, mais Christ est mort pour vous. Vous voyez, hein? Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous de sorte que nous étions encore pécheurs. Quand nous étions encore pécheurs, on ne connaissait même pas Dieu. Mais Christ est mort pour nous. Donc, quand tu n'avais même pas la connaissance de Dieu, tu étais encore pécheur. Tu étais loin du Seigneur. Tu ne priais même pas. Tu allais dans les bois de nuit. Tu écoutais la musique mondaine. Christ était mort déjà pour toi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas par tes efforts que tu es pardonné. Et Christ, quand il est mort pour toi, ça veut dire quoi? C'était pour tes,
t'imputer, c'était pour t'attribuer, c'était pour te donner, te procurer ce qui est le pardon du péché. Très important, bien-aimé. Donc, je suis entré dans ça, ce n'était pas prévu, mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. C'était pas prévu, mais c'était en parlant de la consolation. C'est-à-dire, pour consoler les affligés, tu dois d'abord toi-même être consolé, mes bien-aimés. Si tu es consolé, alors tu peux aussi consoler les affligés. Donc, être consolé, c'est-à-dire, tu as l'assurance du salut. Tu es sûr que le Seigneur a pardonné tes péchés. Tu es sûr que tu as reçu la connaissance du salut par le pardon du péché. C'est-à-dire que tu es en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, c'est ça en fait, être consolé, mes bien-aimés. Et si tu es maintenant en paix avec Dieu, tu as l'assurance du salut. Tu sais que tu as le pardon du péché, tu as le sang de Jésus. Alors, pourquoi continuer à demander ce que tu as déjà? Je vais donner un exemple. Tu as demandé à Dieu la Bible. Dieu t'a donné la Bible. Ou même si tu n'avais pas demandé, mais Dieu t'a donné déjà la Bible. Mais tu demandes ce que Dieu t'a déjà donné. Comment tu peux invoquer ce que tu as déjà? Comment tu peux demander ce que tu as déjà? C'est pas possible, bien-aimé. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Donc ici, Paul il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Il dit que autrefois j'étais affligé. Autrefois j'étais une personne profondément attristée par le malheur. Autrefois j'étais affligé. Mais Christ m'a consolé. Et étant consolé, moi aussi je peux maintenant consoler ceux qui se trouvent, ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui vivent des moments de tristesse, moments de peine, ceux qui sont affligés. Je peux maintenant les consoler parce que je suis consolé. Donc, ici, comprenez, la consolation, je l'ai expliqué d'abord comme étant celui qui apporte la nouvelle du salut, comme étant celui qui apporte la connaissance du salut, comme celui qui va prêcher le pécheur, le païen. Donc, c'est ça la consolation. Mais la consolation aussi pour les bien-aimés chrétiens, pour les justes, pour les saints, qui ont déjà reçu le salut par la connaissance du pardon du péché. Donc, c'est là la consolation maintenant pour les enfants de Dieu. C'est maintenant une exhortation. Vous voyez? La consolation pour les païens, c'est leur annoncer la bonne nouvelle. C'est leur apporter l'évangile de la grâce. C'est leur apporter la nouvelle du salut. Mais la consolation pour les enfants de Dieu maintenant, c'est maintenant une exhortation pour leur fortifier, pour leur donner la force. Que tu as perdu quelqu'un, mais il faut comprendre que la vie ne s'arrête pas sur la terre, bien-aimé. Voilà, très important. Donc, on est passé par là, bien-aimé. Nous avons aussi connu des moments difficiles, mais voilà pourquoi nous venons aussi vous fortifier, bien-aimé. Nous venons vous fortifier pour dire que la mort fait mal, bien-aimé. Vous voyez, la mort fait très mal, bien-aimé. Comme j'avais dit précédemment, qu'il y en a, ils tombent dans la dépression. Ils tombent dans la dépression, bien-aimés. Vraiment, il y en a, vraiment, ils sont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très proche, bien-aimés. Pourquoi la mort existe? Vous voyez? Pourquoi la mort existe? Dieu qui est si bon. Dieu qui est bon. Alors, pourquoi? Pourquoi il a créé la mort? Pourquoi il a créé la mort, bien-aimé? Pourquoi Dieu a créé la mort? On dit Dieu miséricordieux, Dieu qui est bon. Pourquoi il a laissé ma mère mourir? Pourquoi il a laissé mon père mourir? Pourquoi il a laissé mes enfants mourir? Pourquoi il a laissé mes frères, mes sœurs mourir? Pourquoi Dieu, il a permis que je puisse tout perdre? Vous voyez? Et comme Job, en un jour, il a tout perdu. Il a tout perdu, bien-aimé. Il a tout perdu. Vous voyez? Donc, ce sont des questions que plusieurs, ils se posent. Vous nous prêchez quand vous venez nous évangéliser. Vous disiez que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Mais alors, pourquoi il a laissé mon proche mourir?
pourquoi il a laissé ma mère mourir? Pourquoi Dieu qui est bon a laissé mon père mourir? Vous voyez? Donc voilà pourquoi le but de ces grands enseignements, le pourquoi de l'existence de la mort. Dans la première partie, mes bien-aimés frères et sœurs, vous avez déjà vu que dans la première partie, ce qu'on avait déjà abordé, excusez-moi, dans la première partie, vous avez vu, frères bien-aimés, qu'on avait abordé déjà, donc ces grands enseignements là, c'est le pourquoi de l'existence de la mort, en tout cas pour nous aider à comprendre en tout cas le plan de Dieu. Voilà, c'est ça. À comprendre pourquoi. Pourquoi la mort existe? Parce que la Bible dit que Dieu est miséricordieux. Dieu il est bon, bien aimé, mais pourquoi il va laisser aussi quelque chose de malheur nous frapper? Vous voyez? Donc, dans la première partie de notre enseignement sur le pourquoi de l'existence de la mort, on avait évoqué et répondu à deux questions. D'abord, on avait compris et on avait expliqué clairement que c'est Dieu qui a créé la mort. C'est Dieu qui a établi la mort. C'est Dieu qui a administré la mort. Voilà, c'est Dieu qui est l'auteur de la mort. On avait donné Lamentations chapitre 3, le verset 38, qui dit que c'est Dieu, de la volonté de Dieu qui viennent les mots et les biens. Vous voyez? Les biens et les mots, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Les biens et les mots, hein? Mots là, comme on avait dit, M-A-U-X, c'est-à-dire pluriel du mal. Donc c'est Dieu qui permet aussi le mal. Même Satan, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Satan d'agir. Vous voyez? C'est Dieu qui est l'auteur des biens et des mots. Et on avait aussi donné l'écriture des psaumes 70, hein? Le verset 3. Qui disait aussi dans la prière de Moïse, Moïse le serviteur, Moïse le prophète de Dieu, disait que c'est Dieu qui a établi aussi la mort, c'est lui qui a la capacité de dire, fils de l'homme, retourne dans la poussière, vous voyez, fils de l'homme, retourne dans la poussière, c'est la mort. Quand Dieu te dit, fils de l'homme, retourne dans la poussière, c'est-à-dire, que le temps que tu devais faire sur la terre est déjà accompli, est déjà arrivé au terme. Voilà pourquoi durant ta vie bien-aimée, tu dois refuser d'être esclave d'un homme. Voilà. Tu dois refuser d'être esclave des faux enseignements. Vous voyez? Tu dois être refusé parce que les jours de ta mort, tu vois, les jours de ta mort, quand tu seras enterré, hein, les gens vont pleurer. Oui, ils vont pleurer sincèrement. Voilà. Ils vont pleurer sincèrement, vraiment. Ils vont pleurer, mais ils vont aller t'enterrer. Quand ils vont aller t'enterrer, ils vont retourner, même si le jour-là, ils n'auront pas faim. Vous voyez, le même jour-là, ils n'auront pas faim, ils n'ont pas l'appétit, mais après deux, trois jours, une semaine, ils vont reprendre la vie. Tout doucement, ça sera dur, mais ils vont reprendre leur vie. Vous voyez, ils vont commencer à manger, même ceux qui n'avaient pas l'appétit, l'appétit va revenir, l'appétit va revenir. Ils vont manger avec l'appétit. Vous voyez? Donc c'est comme ça, la vie va continuer. Et la vie va continuer après ta mort. Mais toi, bien-aimé, tu seras seul face à ton éternité, bien-aimé. Tu seras là maintenant face à ton éternité, bien-aimé. Il n'y aura personne. Les relations auxquelles tu cours aujourd'hui, ah, je vais être connu. Je veux que tel puisse me connaître. Tel puisse me connaître. Tout ça, ça va servir à rien. Le jour que tu vas mourir, c'est seulement Dieu va poser la question. Est-ce que cette personne avait reçu la connaissance du salut ou pas? Luc chapitre 1, verset 77. La connaissance du salut, c'est par le pardon du péché. Tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. C'est bien. Mais le mieux, c'est d'abord de connaître l'essentiel. C'est quoi le message de la Bible? C'est quoi l'essentiel d'abord? Est-ce que la Bible est venue aussi comme un livre, comme tout autre livre, pour nous remplir le cerveau, juste pour nous donner la connaissance? Non, bien-aimé. Au-delà de la connaissance, si, donc, la meilleure connaissance, c'est la connaissance du salut. C'est que tu comprends que Dieu a pardonné tes péchés. Parce que si Dieu n'a pas pardonné tes péchés, tu es en conflit avec Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel. Ta place, c'est en enfer.
Si Dieu n'a pas pardonné tes péchés, bien-aimé, tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et c'est, la Bible dit maintenant, c'est la connaissance du salut. La connaissance du salut. Donc la connaissance du salut, c'est de savoir que Christ était mort. Pour que toi, tu sois justifié. Pour que toi, tu sois appelé juste et saint. Sans pour autant rien payer. C'est d'abord ça. Donc, je suis en train de t'exhorter à comprendre la valeur de ta vie. Vous voyez? Donc, à comprendre la valeur de ta vie, c'est que le jour de ta mort, les relations auxquelles tu cours aujourd'hui là, ils seront plus là. Après t'avoir enterré, et ils vont retourner chez eux. S'il y a le match de Bayern, hein, le match de Real de Madrid, Barcelone, PSG, et ils seront là en train de suivre, ils seront en train de suivre les matchs de Real de Madrid et Atlético, en train de jouer là. Mais ils viennent t'enterrer, oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore morts. C'est normal, ils doivent continuer à vivre. On t'enterre et ils reviennent, ils commencent à regarder aussi les matchs. Donc, ils allument la télé, ils regardent la télé. Mais toi, tu es maintenant enterré, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. Tu ne dois pas vivre pour les hommes. Tu ne dois pas être esclave des hommes, ni être esclave des faux enseignements. Voyez? Donc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ainsi donc, ne devenez pas esclave des hommes. Il faut refuser d'être esclave des hommes mortels. Il faut refuser cela. Voyez? Parce que ta vie n'a pas de prix. Voilà. Donc, on a montré, bien aimé, dans la première partie de cet enseignement sur la mort, que c'est Dieu qui a administré la mort, c'est Dieu qui a établi la mort, et comment Dieu l'avait établi la mort en créant un Adam avec la poussière. Il a créé Adam par la poussière. Voyez? Il a créé Adam par la poussière. On avait dit que quand il a créé Adam par la poussière, c'est-à-dire qu'il avait déjà programmé Adam, un Adam qui va mourir. Et quand tu vois que l'Éternel a pris la poussière de la terre, créé Adam, comprends que il avait déjà programmé Adam, que Adam puisse mourir. Donc c'était ça. C'est comme ça que Dieu avait établi la mort. En créant le premier homme de la terre qui était Adam, par la poussière. Et or, la poussière, c'est quoi? C'est-à-dire c'est quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui sera détruit. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, bien-aimé, nous dit quoi? Que nous savons en effet si cette tente, hein, si cette tente qui est la terre est détruite, nous avons un édifice, une demeure de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. On nous montre dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 que cette terre ici est appelée à disparaître. Cette terre est appelée à être détruite. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas t'attacher aux choses de la terre. Tu ne dois pas donner beaucoup plus d'importance aux choses de la terre qu'aux choses qui sont liées à ton âme, bien-aimé. Tu dois avoir les temps, bien-aimé, consacrer des temps vraiment à écouter les vrais enseignements. C'est très important, bien-aimé, parce que ton âme est très importante, vous voyez? Donc, on nous montre que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, que la terre est appelée à être détruite. Or, Adam, le fait qu'il était créé par la poussière et que maintenant Dieu l'avait mis encore dans le jardin d'Éden, qu'on avait dit c'était sur la terre, c'est comme ça que Dieu avait établi la mort. Il a établi la mort en créant le premier homme de la terre par la poussière. Or, la poussière, cela dit destruction. Voilà. C'est comme ça déjà. Dieu nous avait montré que Adam n'est pas éternel. Adam mourra. Et maintenant, comment est-ce que Dieu maintenant a introduit cette mort? Il avait déjà établi la mort. Donc, il a déjà établi la mort en créant un Adam déjà programmé à mourir, un Adam mortel. Mais maintenant,
En quel moment maintenant cette mort-là est entrée? En quel moment cette mort-là est manifestée? On avait dit bien aimé, c'était lorsque Dieu a donné la loi maintenant. Donc Dieu a donné la loi, il a fait entrer maintenant la mort. A fait maintenant entrer la mort. Et lorsqu'il savait qu'Adam ne pouvait pas désobéir, vous voyez? Adam ne pouvait pas désobéir, Adam ne pouvait pas obéir à cette loi-là de Dieu. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas la totalité de l'amour en lui. Vous voyez? Adam n'avait pas la totalité de l'amour. Jean chapitre 14, verset 15. On nous dit que c'est lui qui aime et garde la parole. C'est lui qui aime, il doit garder les commandements, la parole de Dieu. Mais Dieu, quand il a créé Adam, il a fait que Adam ne puisse pas voir la totalité de l'amour. De sorte que quand Dieu va lui donner sa loi, Adam soit incapable, bien-aimé, à garder cela. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Romains chapitre 7, Paul il dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Vous voyez? Donc c'était ça. L'homme adamique qui trouve que la loi de Dieu est spirituelle, mais lui il est charnel. Il est charnel pourquoi? Parce qu'il n'a pas la totalité de l'amour. Très important. Donc on a avancé maintenant. On avait répondu à deux questions. Donc comment Dieu a établi la mort? On a répondu en criant Adam qui est déjà programmé à mourir par la poussière. Deuxièmement, la mort est entrée par la loi. Donc, et la loi, ça s'est manifesté. La mort s'est manifestée, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas la totalité de l'amour. Donc, tout ça avait un plan. Tout ça avait un but. Tout ça avait un objectif, bien aimé. Voyez. Donc, comprenez, bien aimé, si Dieu permet que tu passes dans le malheur, c'est parce qu'il y a un projet meilleur. Oui, si Dieu permet que tu puisses passer dans le malheur, dans un temps malheureux, bien-aimé, comprends parce qu'il y a un projet beaucoup plus meilleur. Oui, un projet beaucoup plus meilleur. Donc, Dieu a créé les problèmes, c'est-à-dire le problème de la mort, mais il a donné aussi la solution. Et je vous avais dit que c'est seulement Jésus qui avait la totalité de l'amour, mes bien-aimés. Seul Jésus-Christ avait la totalité de l'amour. Oui, seul Jésus-Christ avait la totalité de l'amour. Jésus-Christ n'était pas comme le premier Adam. Non, Jésus avait la totalité de l'amour. Voilà pourquoi il a aussi vaincu la mort. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. C'est vrai qu'on a commencé avec une exhortation. Le Seigneur nous a conduit vraiment sur l'exhortation concernant le pardon. Et voilà, en tout cas, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. On reviendra encore d'ici 3 semaines pour aborder la troisième partie de l'existence de la mort. Comme j'avais dit, je ne sais pas combien d'épisodes ça nous prendra, mais le Seigneur nous conduira dans sa grâce, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous sommes en train de continuer ce qu'on avait déjà abordé, ce qu'on avait déjà commencé, bien-aimés, pour dire que donc, Adam n'avait pas la totalité de l'amour. Voilà pourquoi la mort l'a dominé. Mais Jésus-Christ, lui, avait la totalité de l'amour. Comparé à Adam, Adam n'avait pas la totalité de l'amour. Si tu n'as pas la totalité de l'amour, la mort va te dominer, la mort va te vaincre. Mais Jésus-Christ, lui, la mort ne l'a pas dominé parce qu'il a ressuscité. Oui, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. La mort ne l'a pas dominé. Pourquoi? Il avait déjà la totalité de l'amour. Bien qu'il n'avait pas fait 1000 ans, parce que je vous avais dit, si tu n'as pas la totalité de l'amour, tu ne peux pas faire 1000 ans. Et Adam a vécu 930 ans par rapport à Genèse chapitre 5, verset 5. Methuselah, l'homme qui a vécu le plus longtemps possible, le plus longtemps sur la terre, Methuselah, lui, Methuselah a vécu 969 ans. Noé a vécu 950 ans. Vous voyez, Adam a vécu 930 ans. Donc, il n'y a personne qui a vécu 1000 ans sur la terre. Jusqu'à ce qu'on va terminer, bien aimé, jusqu'à le monde va finir, il n'y a aucun homme qui vivra 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme n'a réussi l'amour dans la totalité. Pour vivre 1000 ans sur la terre,
il faut avoir la totalité de l'amour. Voilà. Mais Jésus, maintenant, quand il est venu, lui devait vivre que 33 ans. Vous voyez, parce qu'il était venu faire, il avait une mission appropriée. Il avait une mission bien définie. Il était venu comme un agneau. Vous voyez, Adam dans le jardin d'Éden était un roi. Et Adam, c'était un roi. Et encore, il était l'image du roi des rois. Parce que la Bible nous montre que parmi les animaux de la terre, les lions et les héros. Vous voyez, le lion est le roi des animaux de la terre. Parmi les animaux qui sont aquatiques dans l'eau, la Bible nous dit que c'est le crocodile qui est le roi. Parmi les oiseaux, c'est l'aigle qui est le roi des oiseaux qui volent. Vous voyez? Mais maintenant, Adam, il était là pour gérer tous ces gens-là, tous ces animaux-là. Il gérait les crocodiles, il gérait les lions, il gérait les aigles. Donc, Adam était le roi des rois. Et quand on dit Jésus-Christ est le roi des rois, il y avait déjà l'ombre. Adam était l'ombre de Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, en Éden, vraiment, en Éden, Adam était un roi des rois même. Il était roi des rois. Parce que je vous ai dit que le lion était déjà le roi des animaux. Le crocodile était aussi le roi des animaux. L'aigle était aussi le roi des animaux. Mais Adam, il était là pour gérer tous ces animaux-là. Il y avait le roi et puis le roi des rois. Adam, le roi des rois. Donc, Adam, quand il a vécu sur la terre, il était le roi des rois. Mais Jésus, lui, quand il est venu, il n'était pas venu pour être le roi des rois. Non, il était venu pour accomplir une mission bien spécifique, une mission bien appropriée, bien définie déjà depuis bien avant l'éternité. Donc, depuis l'éternité déjà, donc c'était déjà prévu. Mais Jésus a vécu que 33 ans, il était venu comme un agneau. Il n'était pas venu pour montrer sa force. Non, il était venu comme un agneau. Mais il reviendra, bien-aimé, pour régner maintenant comme étant le roi. Voilà pourquoi dans le millénium, c'est 1000 ans sur la terre. Aucun homme n'a déjà vécu 1000 ans. Et jusqu'à ce que tout le monde va mourir, aucun homme vivra 1000 ans sur la terre. Mais Jésus sera le premier homme qui viendra lors du millénium pour introduire son règne. Il va faire 1000 ans sur la terre. Si l'église va expérimenter aussi les 1000 ans sur la terre, parce que nous, l'église, on va vivre 1000 ans sur la terre avec Jésus, vous voyez? L'église va expérimenter ça, mais grâce à son époux Jésus. Et c'est grâce à Jésus. Jésus sera le premier homme qui fera 1000 ans sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a la totalité de l'amour. Déjà lors de sa première venue, bien-aimé, nous avons vu que la Bible dit « En lui, il y avait toute l'affection. » Vous voyez? C'est-à-dire, en lui, il y avait tout l'amour, la totalité de l'amour. Vous allez voir le jour de son baptême, Jean chapitre 3, verset 17, quand la voix se fit entendre, vous voyez? La colombe est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute l'affection du ciel, tout l'amour du ciel était en Jésus-Christ. Et encore dans Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset, vous lisez jusqu'à vers le verset 5, vous descendez encore. Là, on nous présente la vision de la transfiguration, hein, quand Paul... Jean, Jacques avaient laissé les autres disciples là, ils ont laissé les 9 autres disciples là en bas de la montagne pour monter plus haut. Ils ont monté Pierre, Jacques, Jean, ils ont monté là-bas sur la montagne de la Transfiguration. Et maintenant là, l'apôtre Pierre a reçu une vision. La transfiguration, c'était une vision. Il faut le savoir que c'était une vision. C'est écrit Matthieu chapitre 17. Donc, c'était une vision que Pierre était en train d'expérimenter. Maintenant, dans cette vision-là de la transfiguration, Pierre voulait maintenant mettre sur le pied d'égalité Élie le Tishbite, Moïse et Jésus. Comment ça? Parce qu'il a dit... Faisons 3 tentes, hein, une tente pour Élie le Tishbite, le prophète, une tente pour Moïse et une autre tente pour Jésus. Vous voyez, c'est là.
Et quand seulement il a dit ça, lisez Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset, vous descendez jusqu'au verset 7. Quand seulement il a voulu mettre Jésus, Moïse, Élie, les Tishbites sur le même pied d'égalité, alors Élie et Moïse, ils ont disparu, Jésus est resté seul. Et en plus, la Bible dit quoi? La voix se fit entendre. La voix se fit entendre encore dans le ciel. Celui-ci, celui-là, Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Attention, il n'est pas ton copain. Attention, il n'est pas ton pote. Attention, quand il est avec vous, fais attention. Lui n'est pas comme vous. Toi, tu veux mettre Jésus sur le même pied d'égalité que Moïse et Élie les Tishbites. La voix a intervenu. C'est lui-là. Le Jésus de Nazareth est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit, écoutez-les. Ah, dans Moïse, il n'y avait pas toute l'affection. Dans Élie les Tishbites, il n'y avait pas toute l'affection. Toute l'affection, c'est-à-dire l'amour dans la totalité. Pourquoi? Donc, pourquoi dans Moïse et dans Élie les Tishbites, il n'y avait pas l'amour dans la totalité? Parce qu'ils étaient ici d'Adam le premier. Ils sont sortis d'Adam le premier. Mais Jésus était le second Adam. Comme 1 Corinthiens 15, le verset 45 nous le montre. Jésus, c'est le second et le dernier Adam. Et lui n'est pas sorti d'Adam le premier. Non, lui aussi, il est sorti avec sa lignée. Vous voyez? Il y a la lignée d'Adam le premier et aussi la lignée d'Adam le second. Il y a aussi la lignée du second Adam. Donc, dans la lignée du second Adam, ceux qui sont ici de la lignée du second Adam, et ils vont dominer la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont la totalité de l'amour qui est le second Adam. Que le Seigneur vous aide à suivre cet enseignement qui contient des exhortations. Que le Seigneur vraiment vous aide. Donc, la voix a parlé dans le ciel, celui-là, Jésus, est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Matthieu chapitre 17, versets 5 à 7. On a dit, écoutez-les. Ah, ok. Donc, il ne faut pas écouter Moïse. Ben, dans tous les cas, on n'avait pas écouté. Il ne faut pas écouter les Tishbites. Et ils n'ont pas la totalité de l'amour. Ils sont ici d'Adam le premier. Vous voyez? Donc, tous ceux qui sont ici d'Adam le premier, ils n'ont pas la totalité de l'amour. Ils sont des pécheurs. Ils ont besoin du pardon pour pouvoir être réconciliés avec Dieu. Donc, je suis parti dans Matthieu chapitre 17, bien-aimé, pour vous montrer encore que Jésus avait la totalité de l'amour. Ici, maintenant, je m'en vais pour conclure parce que je vous ai dit qu'il y aura beaucoup d'épisodes sur l'enseignement, les pourquoi de l'existence de la mort, mes bien-aimés. Ici, je m'en vais pour conclure, pour dire que quand tu es dans les seconds Adam, alors c'est comme ça que tu vas vaincre la mort. Dieu a mis, vraiment, il a balancé un problème, il a jeté un problème sous ce soleil. Nous sommes tous dominés à ces problèmes-là. Le problème auquel que Dieu nous a exposé, c'est la mort. La mort est plus forte que l'homme. La mort est plus forte que l'homme. La mort humilie l'homme. La mort va t'humilier. Le jour de ta mort, tu seras humilié. Tu seras là, quel que soit ton compte en banque, quel que soit la belle femme que tu avais, quel que soit le bel homme que tu avais, donc quels que soient les hommes auxquels tu es influencé, mais la mort va t'humilier. Et la mort va faire vraiment que ton corps sera Ichabod, banni de gloire. Pourquoi? Parce que l'âme a lâché le corps. Donc, ceux qui sont dans les seconds Adam, ils vont dominer la mort. Voyez? Ils vont dominer la mort. Adam, le premier, ne pouvait pas dominer la mort. Pourquoi? Parce que à cause de la captivité. Oui. Je vous ai dit que pour dominer la mort, il faut faire 1000 ans sur la terre. Or, pour faire 1000 ans sur la terre, il faut avoir la totalité de l'amour. Vous voyez? Et pour dominer la mort, il faut faire 1000 ans sur la terre. Et si quelqu'un fait seulement 1000 ans sur la terre, il ne mourra plus jamais. Ah, peut-être tu n'avais jamais entendu cela. Si quelqu'un seulement arrive à faire 1000 ans sur la terre, alors cette personne-là ne mourra plus jamais. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Si quelqu'un arrive à faire seulement 1000 ans, mes bien-aimés, il ne mourra plus jamais. Or, pour faire 1000 ans sur la terre,
Il faut voir la totalité de l'amour. Et jusqu'à ce que le monde va finir, aucune personne ne fera 1000 ans. Aucune personne ne fera 1000 ans, frère bien-aimé. Et je vous ai dit, Adam n'a pas pu faire, il n'a pas totalisé 1000 ans. Genèse chapitre 15, et Genèse chapitre 5, le verset 5, nous montre que Adam est mort à 930 ans. Donc, 930 ans. Pour arriver à 1000, on est d'accord, il y a 70 ans, hein, 70 ans, 70 ans qui manquaient. Donc, il manquait à Adam 70 ans, bien-aimé, pour vivre 1000 ans. Oui, il lui manquait 70 ans. Or, lorsque nous lisons, bien-aimé, dans Daniel chapitre 9, déjà vers le verset 2, vous descendez, vous voyez que Israël était en captivité en Babylone pendant 70 ans. Écoutez-nous très attentivement. On reviendra ici parce que c'est un enseignement très profond. Israël a été en captivité pendant 70 ans chez les nations, à Babylone là-bas. Et suite à cela, maintenant, Daniel commençait à prier avec les prophètes, avec les prophéties de Jérémie les prophètes, parce que Jérémie les prophètes avait déjà annoncé qu'Israël ira en captivité. Après les 70 ans de captivité, Dieu va donner un projet de bonheur. Vous voyez, quand vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11, j'ai un projet de bonheur et non de malheur. D'abord, le contexte, c'est quoi? C'est que le contexte de Jérémie 29, 11, quand je dis j'ai un projet de bonheur et non de malheur, c'était d'abord les choses que Jérémie, le prophète, était en train de prophétiser pour Israël. Il disait qu'Israël ira en captivité en Babylone. Mais après les 70 ans de captivité, Dieu va manifester les projets de bonheur. Or, nous avons vu maintenant, dans Daniel chapitre 9, le verset 2, Daniel le prophète est en train de prier parce que Daniel et Ézéchiel, ce sont aussi les prophètes qui étaient en captivité avec le peuple en Babylone. Daniel le prophète est en train de prier. Il dit, oh Dieu, regarde ce que t'avais dit à ton serviteur Jérémie le prophète. Que n'est-ce pas t'allais te souvenir de nous au bout des 70 ans de captivité? Il est en train de prier, il est en train de pleurer. Et suite à cela, bien-aimé, Dieu maintenant va répondre à Daniel. Il va répondre à la prière de Daniel. On viendra ici pour expliquer la prière de Daniel. Parce que Daniel, quand il a prié, c'est en ce moment-là maintenant, Dieu va agir. Dieu va donner le projet de bonheur qui est les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel a été donné suite d'abord, parce que d'abord, Israël était d'abord en captivité. Et aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était suite à la prière de Daniel. D'abord, Israël était condamné pendant 70 ans captivité. Daniel va prier et Dieu va donner le projet de bonheur. Donc, prochainement, on reviendra ici pour expliquer cela. Donc, le 70 semaines de Daniel que vous entendez, c'est ça le projet de bonheur. Parce que les 70 semaines de Daniel annoncent la liberté, annoncent le salut d'Israël. Donc, le 70 ans de captivité, c'est d'abord ça, le projet de malheur. Vous voyez? Il y a le projet de malheur qui est 70 ans de captivité. Il y a aussi le projet de bonheur qui est les 70 semaines de Daniel. À ne pas confondre. Il ne faut pas confondre. Et il ne faut pas confondre les 70 ans de captivité et les 70 semaines de Daniel. Les 70 ans de captivité, c'est un projet de malheur pour Israël. Mais les 70 semaines de Daniel, c'est ça le projet de bonheur pour Israël. On reviendra ici. Parce qu'il y a beaucoup à dire, mes bien-aimés. Donc, rappelez-vous que dans la première partie, on avait touché Jérémie 29, 11, sans pour autant entrer dans les détails. On avait dit que Dieu a dit par Jérémie le prophète, il a un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Jérémie 29, 11. Dieu, pour son peuple, il a un projet de bonheur et non de malheur. Dieu a dit ça à qui? Il s'adressa à Israël. Or, je vous avais dit, Israël est simplement la répétition de Adam. Vous voyez? Déjà, au milieu de plusieurs poussières, Dieu a pris Adam. Vous voyez? Il était dans plusieurs poussières, Dieu l'a pris. Donc, parmi plusieurs peuples, la poussière, la terre. Hein? Ce sont des peuples. Donc, Dieu l'a pris Adam. Et on a vu plus tard aussi, Abraham était confondu, était parmi plusieurs peuples aussi.
Dieu a tiré Abraham. Abraham, Ézéchiel nous dit que son père était dans l'idolâtrie. Vous voyez, Abraham, vraiment, il était vraiment dans la confusion. C'est un peuple qui vivait dans la confusion. Abraham, notre père à la fois. Autrefois, il était dans la confusion. Parmi les nations, dans l'idolâtrie, tout ça. Mais Dieu l'a fait grâce. De même qu'il avait fait grâce à Adam, parmi plusieurs poussières, il a tiré Adam. Parmi plusieurs peuples aussi, Dieu aussi l'a tiré Abraham. Et dans Genèse chapitre 15, vers le verset 13, Dieu montre, il montre clairement qu'il appelle Israël les descendants d'Abraham. Il dit, dans Genèse 15, verset 13, Dieu dit à Abraham, tes descendants iront en captivité. Donc, il annonçait déjà l'esclavagisme d'Israël chez Pharaon. Donc, on dit que c'est Abraham qui a engendré Israël. On est d'accord? Ben, déjà, même physiquement, Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré les jumeaux, Ésaü et Israël. Et Dieu a choisi Israël. Il a rejeté Ésaü. Vous voyez? Donc, parmi plusieurs poussières, Dieu a tiré Adam. Parmi plusieurs peuples, Dieu a tiré Abraham. Et parmi les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, Israël, Dieu a choisi Jacob, il a choisi et Israël. Vous voyez? Donc maintenant, pour dire quoi? De même qu'Israël est le peuple choisi de Dieu, de même qu'Abraham était le peuple choisi de Dieu, de même aussi Adam était le peuple choisi de Dieu. Comprenez, hein? Israël était choisi de Dieu, peuple de Dieu. Abraham était peuple de Dieu. Adam aussi était peuple de Dieu. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit à Israël par Jérémie, le prophète de Jérémie 29, 11, qu'il a un projet de bonheur et non de malheur, bien aimé, donc cela concernait Israël comme ça. Et ce projet de bonheur-là, Abraham l'a vécu. Autrefois, il était dans le malheur quand il était chez son père dans l'idolâtrie. Il était dans le malheur. Et de même aussi, Adam, cela concernait aussi Adam. Voilà. Donc, Abraham, il était dans l'idolâtrie, dans le malheur, mais Dieu l'a fait sortir. Vous voyez, il a expérimenté les projets de bonheur de Dieu. Et de même aussi, cette écriture de Jérémie 29, 11, concerne aussi Adam. Donc, Dieu, quand il a créé Adam, il avait un projet de bonheur. Mais d'abord, il devait faire goûter Adam le malheur. Le malheur, c'était la vie terrestre. C'était la vie terrestre. Le malheur qu'Adam a expérimenté. Le malheur, bien aimé, c'était rencontrer les serpents. Vous voyez? Et subir, en tout cas, l'enseignement du serpent. Et ça, c'est un malheur. C'était le malheur, bien aimé. Et donc, Adam, il a goûté au malheur. C'était la vie terrestre. Le malheur, vraiment, c'est la mort. Oui, oui. Le malheur, c'est la mort, mes bien-aimés. C'est la mort. Donc, c'est la mort. Le malheur, c'est la mort. Donc, quand bien même Adam vécu le malheur là, mais Dieu avait un projet de bonheur pour lui. Et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, nous fait comprendre que nous tous, habitants de la terre, nous sommes issus d'un seul. Nous sommes tous sortis d'Adam. Donc, de même que Dieu avait un projet de malheur et de bonheur pour Adam, de même aussi nous. Là, nous sommes en train de vivre les malheurs, nous sommes encore sur la terre. Et quand tu perds quelqu'un, tu es en train de vivre le malheur. Quand tu perds ta mère, quand tu perds ton père, quand tu perds un ami, quand tu perds une cousine, un cousin, quand tu perds les frères et sœurs, quand tu perds les parents, quand tu perds tes neveux, tes nièces, tout ça, bien aimé, tu es en train de vivre les malheurs. Mais Dieu a un projet de bonheur. Dieu a un projet de bonheur, bien aimé. Il a un projet de bonheur. Son projet de bonheur est que... Mais pour expérimenter son projet de bonheur là, tu dois quitter d'abord le projet de malheur, c'est ça. Je vous ai dit, le projet de malheur, c'est la vie terrestre. Mais pour que nous puissions expérimenter maintenant le projet de bonheur de Dieu qui est le ciel, nous devons quitter son projet de malheur qui est la vie terrestre. Voilà pourquoi la mort, ça fait mal, mais c'est ça. Donc, c'est ça, ça fait mal, bien aimé. Mais nous devons nous séparer. Et nous devons quitter ces projets de malheur. Parce que pour Dieu, il ne veut pas que tu puisses vivre et le malheur et le bonheur en même temps. Vous voyez dans quel sens je suis? Voilà. Donc, ce n'est pas possible. Donc, tu dois quitter le malheur qui est la vie terrestre
expérimenter son projet de bonheur qui est le ciel. Voilà, bien-aimés, soyez forts. Donc, vous qui passez des moments difficiles, mais voyez vraiment la grandeur de Dieu. Voyez vraiment la grandeur de Dieu. Comprends l'enseignement de Dieu et essaye de voir comme Dieu est en train de voir. Ainsi, quand tu perds quelqu'un, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, oui, bien-aimé, mais avec l'enseignement, bien-aimé. C'est très important. Que le Seigneur soit loué. On viendra ici pour continuer encore parce qu'on a touché pas mal d'éléments. Et sans oublier la prière de Daniel, on viendra expliquer cela. Donc, voyez, donc, la grandeur de Dieu. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous sommes toujours dans notre grand thème. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie sur le pourquoi de l'existence de la mort. Donc, aujourd'hui, on a encore touché l'origine de la mort. Et on a encore expliqué encore toujours les thèmes là. Nous sommes à temps plein vraiment. Tout à temps plein dans notre thème. Voilà, on est en train de l'exploiter à temps plein. Vraiment, nous sommes vraiment dedans dans notre thème bien-aimé. Donc, c'est ça. Et on avait déjà commencé à toucher la mort physique la dernière fois. Aujourd'hui aussi, on a aussi touché, on a aussi exhorté. C'est la mort physique sans forcément les citer comme ça. Mais voilà, nous allons encore continuer par la grâce du Seigneur. On va expliquer beaucoup de choses. La mort physique, on va encore le continuer. La mort spirituelle, bien-aimé. La mort aussi, la seconde mort. La mort physique, la mort spirituelle, la seconde mort. Vraiment, on reviendra ici. Vraiment, tout ça pour la gloire du Seigneur. Voilà, donc nous devons comprendre le message de Dieu dans la Bible. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre ce que Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Et nous allons encore revenir. Nous allons nous retrouver prochainement sur la partie 3 de le pourquoi de l'existence de la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Et c'était bien votre frère Roland Kalonji. À la prochaine, bien-aimés.